Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la semaine prochaine. Donc du lundi 31 janvier 2022 jusqu'au dimanche 6 février 2022. Voilà. Donc comme pour les semaines précédentes, vous avez deux choix devant vous. On a changé un petit peu hein, au niveau des jeux que je vais utiliser aujourd'hui pour vous. Alors, vous avez donc le premier choix avec le cristal de roche. Pour vos énergies générales, je vais utiliser l'oracle G. Et pour vos énergies amoureuses, ce sera l'améthyste love. Voilà, donc ça c'est pour le cristal de roche, le premier choix. Ensuite, vous avez en deuxième choix l'améthyste. Et pour les énergies générales, ce sera avec l'oracle des miroirs et les énergies amoureuses avec le grand oracle de l'amour. Voilà, donc vous pouvez prendre un petit temps si vous voulez pour faire votre choix, le temps de faire le vide dans votre tête. Voilà. Vous pouvez aussi arrêter la vidéo, hein. Donc, on va commencer et nous allons donc procéder au tirage des personnes qui ont choisi donc le cristal de roche. Et on va d'abord regarder vos énergies générales dans un premier temps. Alors, pardon, excusez-moi, on est parti. Donc le cristal de roche, voilà, je le mets ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, les amis, pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2020. Alors, on a le cœur partagé avec la carte de la croix. Bon, très clairement, là, ici, il y a une situation qui est difficile à vivre. Je dirais même peut-être douloureuse. Vous êtes en fin de cycle hein, avec cette carte de la croix. Il y a une situation qui prend fin pour vous la semaine prochaine. On peut être sur la sphère affective hein, comme on peut être sur le domaine professionnel, familial, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on termine quelque chose, on termine un cycle, on met fin à une situation, à une relation, à un contrat. Pourquoi? Parce que y a eu en fait dans cette situation-là hein, que vous mettez à laquelle vous mettez fin, je vais y arriver. Vous, il y a eu beaucoup de doutes hein, et il y a eu, je dirais, de la confusion et une insatisfaction. Voilà. Donc pour moi, vous quittez une situation ou une personne parce qu'il n'y avait plus l'épanouissement nécessaire dont vous avez besoin. En tout cas, ça ne répondait plus à vos attentes. Hein. On voit qu'il y a ce cœur qui est partagé en deux avec le grand point d'interrogation. Donc voilà. Ici, c'est le premier message qu'on a pour vous la semaine prochaine. Allez, on va tirer 9 cartes. Allez, ouais, effectivement, il y a la fin de quelque chose ici. On a la flûte brisée. Ensuite, nous avons l'enfant. Ici, nous avons le soleil. Oula, ici, nous avons la justice. On a l'automne. On a l'homme. Nous avons les ennemis, la balance et la chauve-souris. Alors, je vais remonter pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Voilà.
Alors, ici, très clairement, le thème de votre tirage, en fait, le thème de la semaine prochaine, ça va être de lâcher prise par rapport à une situation qui a été compliquée, qui a été éprouvante pour vous. Vous avez la carte de l'automne au centre, ou alors c'est une situation, je dirais, de votre vie qui est là depuis l'automne dernier. Ce qu'on voit, c'est que pour moi, la semaine prochaine, on va vous demander en fait d'être assez à l'écoute, assez vigilant, assez attentif, hein, parce qu'il y a plusieurs, je dirais, plusieurs messages qui vous mettent en garde la semaine prochaine contre un abus de confiance. Déjà, dans un premier temps, ici, vous avez la carte du serpent, la balance et la chauve-souris. Moi, ce message, je le prends sur faites attention à tout ce qui est achat la semaine prochaine, tout ce qui est signature de contrat, signature de papier, tout ce qui est engagement, enfin tout ce qui vous engage, je dirais, financièrement, matériellement. Parce qu'il y a un risque de trahison, un risque d'escroquerie ici qui est bien marqué sur la dernière ligne. Cependant, vous avez la carte du soleil, donc j'ai envie de vous dire que quelque part vous êtes protégé, puis maintenant vous êtes prévenu, donc vous ferez attention. Ça, c'est le premier petit message. Ensuite, ce qu'on voit, je vois une autre situation ici. Je peux voir peut-être une rupture ici, en tout cas une séparation avec la justice, hein, qui est marquée ici. Donc on peut être sur une procédure de divorce avec la carte de l'enfant au-dessus. Peut-être une séparation de votre ancien conjoint, ex-partenaire, et vous avez des enfants en commun. Et pour moi, il y a un verdict qui est rendu la semaine prochaine. En tout cas, vous en aurez des nouvelles, ça c'est certain. Il y a d'un côté des bonnes nouvelles concernant ce verdict. D'accord? Alors ça peut être financier. Il y a d'un côté des bonnes nouvelles. Et d'un autre côté, il y a, j'ai envie de dire, une mauvaise nouvelle. Alors, le conseil qu'on vous donne ici à travers ce tirage, pour moi, c'est de ne pas baisser les bras. Vous serez peut-être amené à faire appel, hein. Moi, j'ai envie de vous donner ce conseil-là avec la carte du soleil parce qu'on voit que vous pouvez avoir quand même, au final, la réussite, hein, sur cette situation-là. D'accord? Mais ça va vous demander de ne pas vous arrêter à un premier verdict. On vous demande de faire des démarches, hein, pour peut-être vous défendre. Clairement, ici, vous avez la carte du serpent. Donc, pour moi, c'est une situation qui est quand même compliquée. Si on est sur un divorce, hein, qui ne se passe pas bien par rapport à la garde des enfants ou par rapport à la pension alimentaire, vous vous faites avoir là, ici. On voit très clairement qu'il y a un abus. Donc, ne vous arrêtez pas au premier verdict, à ce qui est décidé dans un premier temps, hein. Voilà, allez plus loin pour moi. Peut-être demander conseil, enfin rapprochez-vous de votre avocat, celui qui suit votre dossier, pour voir comment vous pouvez faire pour justement obtenir ce qui vous revient de droit, entre guillemets. Voilà. Alors, sinon, on va parler pour moi sur le plan émotionnel, d'un équilibre un petit peu fragile la semaine prochaine. On voit que vous sortez d'une période, je dirais, difficile, mais vous êtes en train, petit à petit, en faisant un travail sur vous, justement, de lâcher prise, j'en ai parlé tout à l'heure, vous êtes en train, petit à petit, de retrouver un équilibre, et une certaine confiance en vous avec la carte du soleil. On voit que cette confiance en vous, elle a été malmenée, entre guillemets, par une situation qui a été malsaine. Alors, peu importe, hein, que ce soit dans votre domaine sentimental ou votre domaine familial, affectif, professionnel, hein, on voit qu'il y a une situation qui a été extrêmement difficile, qui vous a épuisé. Là, c'est ce qu'on ressent ici. Mais pour moi, la semaine prochaine, il y a des choses quand même qui s'éclaircissent avec la carte du soleil. Déjà, il y a une meilleure compréhension de la situation pour vous, hein, qui vous concerne directement. Et on va parler d'un nouveau départ qui s'amorce également la semaine prochaine grâce à une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses, d'aborder ce qui vous a peut-être bloqué aussi. Il y a peut-être aussi également identification des personnes entre guillemets qui vous ont peut-être mis dans cette situation-là.
hein, parce qu'on a quand même la carte du serpent, on a la chauve-souris. Donc pour moi, il y a eu aussi certainement des personnes impliquées dans cette situation extrêmement difficile que vous traversez actuellement. Mais vous êtes en train, je dirais, petit à petit, de vous reconstruire et de retrouver un équilibre. Hein. C'est marqué deux fois l'équilibre. Vous avez la justice ici, qui représente l'équilibre hein, sur le plan émotionnel, et la carte de la balance qui représente la même chose. Mais il y a encore des petites choses, j'ai envie de dire, à évacuer et à nettoyer. Pour moi, il s'agirait, si je regarde comme ça, hein, le conseil qu'on vous donne, c'est certainement de carrément couper certains liens, couper certaines relations, que ce soit familial, que ce soit relationnel, que ce soit sentimental ou même professionnel. On vous demande ici de carrément couper avec ce qui ne vous convient plus et avec ce qui est mauvais, entre guillemets, pour vous, hein, pour atteindre justement cet équilibre qui est important ici, que vous pouvez hein, atteindre de toute façon. Voilà, donc ça c'était pour vos énergies générales, les amis. Maintenant, on va faire la guidance sentimentale et on va regarder, on va faire trois catégories. On va regarder d'abord les célibataires. Ensuite, nous regarderons les couples. Et enfin, en dernière catégorie, ce sera les personnes qui sont dans une relation qui correspond ni à l'un ni à l'autre, c'est-à-dire en triangulaire, en rupture de communication, sur une relation qui n'est pas très suivie, instable, ce genre de choses. Voilà. Alors, on est parti, les amis. Hop là. Bon, ça a volé. Il y a peut-être un message général pour tout le monde. Il y a une période de flottement, de remise en question la semaine prochaine. On va se poser beaucoup de questions. On va peut-être remettre en cause aussi une relation amoureuse, hein. Remettre en cause une situation que l'on vit avec son partenaire. On voit qu'il y a des doutes, en tout cas, qui vont émerger pour vous la semaine prochaine. Alors, donc, les énergies amoureuses pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Et oui, on voit qu'on est dans les hésitations, on a un choix à faire. Ça, c'est le message, si vous voulez, global pour tout le monde. Des décisions à prendre hein, sur la semaine prochaine concernant votre vie affective, votre futur sentimental. Voilà. Ici, on a la carte de l'éphémère. On parle peut-être d'une crise aussi, d'une crise, d'un burn-out dans le domaine personnel. Bien sûr, on n'est pas sur le travail, mais d'un ras-le-bol qui est éphémère pour moi, qui ne dure pas. Et suite à ça, on va prendre une décision. Et en plus, une décision qui sera positive puisqu'on retrouve un équilibre ici avec la carte de la guérison. Ça, c'était le message global pour vous, les amis. Allez, maintenant, on va regarder donc nos trois groupes. Allez, on va commencer donc par les célibataires la semaine prochaine. Voilà, deux cartes, les couples. Et les autres. Alors, on commence par nos amis célibataires. Nous avons la carte de l'invitation et nous avons le trio. Alors, ici, on vous dit, bon, déjà, il y aura des invitations, il y aura des propositions pour vous, les amis, la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir des occasions de sortie. Ça peut être dans votre entourage amical, comme ça peut être par le biais du travail. Hein. En tout cas, on voit qu'on va célébrer quelque chose, qu'on va faire une sortie, qu'il y aura peut-être aussi une personne. C'est tout à fait possible hein, que vous soyez déjà en discussion avec quelqu'un qui n'est pas forcément une relation amoureuse pour l'instant et que cette personne vous fasse une proposition de rendez-vous, de faire une activité avec lui ou avec elle.
un restaurant, un cinéma, un sport, enfin voilà. En tout cas, il y a des propositions de sortie pour voir du monde, hein, donc on va avoir une ouverture sur le monde extérieur la semaine prochaine. Par contre, on nous parle ici de rivalité. Alors moi, j'ai l'impression que la semaine prochaine, vous allez vous sentir un petit peu, je pense que c'est plutôt intérieur, cette rivalité, ça me parle plutôt. Pour certains d'entre vous, de pas se sentir à la hauteur, d'avoir l'impression que le bonheur c'est pas pour vous, que c'est toujours pour les autres, ou alors vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, vous commencez à vous intéresser à une personne, mais vous avez l'impression que cette personne est pas seule, ou bien il y a d'autres personnes qui sont sur le coup, vous voyez ce genre de choses. En tout cas, il y a ce sentiment d'insécurité qui va émerger pour vous les célibataires la semaine prochaine. Et je dirais même que à travers cette sortie que vous allez faire peut-être en groupe, vous n'allez pas vous sentir vraiment à l'aise ou à votre place avec cette carte du triangle et de la rivalité. Vous allez peut-être vous sentir jugé, étudié par les autres. Voilà comment je ressens les énergies pour vous ici à travers ces deux cartes. Alors maintenant, on va regarder les couples. Alors justement, on a l'engagement, bah tout va bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les couples, ça roule la semaine prochaine, pas de difficultés particulières. Je dirais même que vous allez peut-être même commencer à discuter de vos projets pour l'été prochain, de ce que vous voulez faire, peut-être des vacances, parce qu'on a l'été qui est juste à côté. La carte de l'anneau peut représenter un projet que vous avez en commun. Alors quand je dis un projet en commun, effectivement, ça peut être des vacances, l'organisation des vacances pour l'été, mais ça peut être aussi un projet pour acheter une maison, pour faire construire. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, la relation, elle est fluide. La semaine prochaine, il n'y a pas de prise de tête. Au contraire, il y a une belle entente, une belle stabilité et surtout, il y a des rapports qui sont tendres et chaleureux avec la carte de l'été juste à côté. Voilà, donc tout roule hein, pour vous. Alors, les autres, hein, on a la carte de l'ancre. Alors, on nous assure qu'il y aura de la communication. Quoi qu'il arrive, la semaine prochaine, on a de la communication. Donc, pour les personnes qui sont en rupture de communication, en phase de silence, il y a des nouvelles qui vous arrivent. Pour les autres qui ne savent pas trop où ils en sont, on parle quand même d'un retour peut-être à la stabilité, puisqu'on a la carte de l'ancre. Donc peut-être un peu plus de stabilité dans votre relation, aussi complexe qu'elle soit, et également peut-être plus de régularité dans les échanges, hein, dans les écrits, les échanges, les nouvelles. Voilà les amis, eh bien écoutez, on va passer maintenant au deuxième groupe. Et donc c'est le groupe qui a choisi l'améthyste. Et donc on va commencer par vos énergies générales avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui vous attend la semaine prochaine. Alors pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, hein, s'il vous plaît, quels sont les messages pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022? On va parler de sexualité la semaine prochaine, de plaisir, d'envie, de désir. Et on a la distance. On va regarder ce que j'ai en dessous. La parole. Ah, vous allez exprimer vos envies, vos désirs, les amis. Et puis, bien sûr, on peut avoir des relations charnelles la semaine prochaine, un rapprochement, j'ai envie de dire, par rapport. Si on est sur une relation amoureuse hein, et pas juste un désir, un souhait ici, il y a peut-être un rapprochement en tout cas avec cette personne, il y aura des échanges ici. Voilà, vous êtes peut-être en relation à distance avec quelqu'un.
Il y aura des nouvelles, il y aura des projets, vous allez exprimer vos souhaits, vos désirs, vos envies à cette personne et cette personne également de son côté. Alors, on va faire 9 cartes. 2. 7. 8 et 9. Alors, le carrefour qui va nous parler d'un choix la semaine prochaine. Le bouclier, la santé, le temps, le retour, l'enfant, l'échec, la jalousie. Et la fécondité. Ah. Ok. Alors, bon, ce message, il ne va pas concerner tout le monde, mais je le donne quand même. J'ai un premier message ici qui me vient pour les personnes qui souhaiteraient concevoir un enfant, qui voudraient avoir un enfant en tout cas, qui ont, je pense, peut-être déjà, entre guillemets, eu des problèmes pour concevoir, qui ont eu des échecs, en tout cas. Alors, on peut parler de fausses couches, de choses comme ça, ou également ben, de ne pas réussir hein, à tomber enceinte. On vous dit que là, il y a un retour de cette situation, en fait. Et pour moi, vous voyez, santé, enfant, fécondité. Il y a des bonnes nouvelles en fait. Donc pour les personnes qui ont déjà tenté de tomber enceinte, qui ont soit échoué ou en tout cas qui ont peut-être vécu aussi une fausse couche, hein, pour moi il y a une autre grossesse là qui démarre. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit que peut-être hein, il faudra se rapprocher pour ça. Hein, parce qu'il y a possibilité là de concevoir, hein, même si vous avez des difficultés, il y a possibilité de concevoir peut-être aussi avec un accompagnement médical ici, avec la carte de la santé. Donc voilà, ça c'est le premier petit message que je peux voir ici. Ce qu'on voit, c'est que la semaine prochaine, vous allez devoir prendre certaines décisions, en fait, hein, par rapport à une situation du passé qui revient dans votre vie la semaine prochaine. Donc ça peut être une, quand je dis situation du passé, ça peut être dans le domaine affectif, hein, un ex qui revient, une situation professionnelle qui refait surface. Hein, et on vous dit que cette situation qui revient donc dans votre vie la semaine prochaine va vous amener à faire un choix, à prendre une décision pour pouvoir vous protéger, hein, puisqu'on a la carte du bouclier à côté, donc il y a cette notion de se protéger d'une situation ou de quelqu'un, d'une relation, d'une personne, pour votre bien-être et votre équilibre intérieur. C'est important ici avec la carte de la santé. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, avant de décider, avant de prendre cette décision, vous devez réfléchir, vous devez prendre le temps juste en dessous. Réfléchir aussi pourquoi par le passé, toujours, hein, j'ai l'impression que voilà, on est sur une situation passée dans laquelle vous aviez vécu un échec. C'est ce qui ressort ici. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, on va vous demander un temps de réflexion pour justement ne pas retomber dans un même schéma ou dans une situation d'échec. D'accord? Pour vous, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, vous êtes malgré tout sur un nouveau départ parce qu'on a l'enfant. D'accord? Donc pour moi, vous faites le bon choix et la fécondité. On peut être sur un projet professionnel qui a dû être abandonné, hein, et qui revient aujourd'hui dans votre tête. Il a certainement été abandonné parce que il y a eu peut-être soit des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues,
parce qu'on a la carte de la jalousie, soit vous n'aviez pas justement bien planifié les choses, il vous manquait des éléments. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre votre temps. Donc cette idée, elle est bonne. Pour moi, elle est tout à fait viable, hein. Mais il y a quelque chose, vous devez vous protéger de quelque chose ici, avec le bouclier. Certainement de certaines personnes, ou vous protéger peut-être sur le plan juridique, administratif, pour ne pas subir un échec, hein, si on est sur le professionnel. Voilà. Mais pour moi, là, ça peut me parler aussi bien du professionnel, tout dépend, hein, de votre situation, on est sur du général, donc vous prenez le message qui vous parle. Sinon, on va vous demander de toute manière la semaine prochaine de aussi de faire attention aux autres, aux personnes qui vous entourent. Il faut vous protéger. Il y a des gens qui cherchent vraiment à ce que vous ratiez vos projets, à ce que vous soyez dans l'échec. Et ces personnes, je dirais, la semaine prochaine, vont essayez encore une fois de vous mettre dans la difficulté. Donc je vous dirais pour ça, si vous avez un projet justement auquel vous tenez à cœur, n'en parlez pas. Il y a des gens qui sont jaloux autour de vous. Si vous avez une relation, un début de relation qui se met en place, ou vous commencez tout juste quelque chose avec quelqu'un, avec une personne, c'est pareil, attendez avant d'en parler, hein. Ne racontez pas trop votre vie privée à vos collègues, à vos amis, pourquoi pas même la famille, vous voyez, ce genre de choses. Voilà pour vos énergies sur le tirage général. On va regarder maintenant les énergies amoureuses. Alors, les énergies amoureuses pour les personnes qui ont choisi donc la métisse. Les énergies amoureuses de la semaine prochaine. Donc je vais faire comme pour l'autre groupe, je vais vous proposer une partie pour les célibataires, une partie pour les couples et une dernière partie pour les personnes qui sont ni dans l'une et l'autre catégorie, donc les triangulaires, les ruptures de communication, les relations non suivies, irrégulières, instables. Voilà. Alors, on y va. Alors, en coupe. On va parler de séparation la semaine prochaine pour certains d'entre vous. Ouais, il y a des couples, hein, en tout cas, pour lesquels ça risque d'être évoqué ou certains d'entre vous vont commencer à y penser. Hein, ça, c'est possible. Je vais voir ce qu'on a en dessous à cause de la jalousie, on me dit. Il y a un problème de jalousie pour certains d'entre vous dans votre relation. Alors, on va donc faire ici les célibataires. Ici, ce sera les couples. Et ici, les autres, hein, donc les relations, les triangulaires, les ruptures de communication, les relations instables. Allez. Alors, voyons voir. On va commencer donc par les célibataires. Il y a un nouveau départ pour les célibataires. D'accord, la peine, départ. Ok. Alors, on vous demande ici la semaine prochaine de. J'ai l'impression que ça me parle plutôt sur le plan émotionnel ici. Vous pouvez être sur un nouveau départ, mais il y a des choses qui ne sont pas encore totalement
évacuer par rapport à votre passé. Alors, on peut parler bien sûr du passé amoureux, mais ça peut être plus large que ça. Ça peut être le passé familial, etc. On voit qu'il y a des choses qui sont encore très très lourdes pour vous de ce côté-là. Ça risque de refaire surface la semaine prochaine. Et on va vous demander vraiment d'essayer de d'éloigner ces énergies, ces émotions qui vous mettent un petit peu à rude épreuve, j'ai envie de dire, la semaine prochaine sur le plan émotionnel. Aussi, ce que je peux voir à travers ce message, c'est peut-être certaines personnes qui commencent à discuter avec quelqu'un ou avec qui ont fait une rencontre, qui c'est peut-être pour l'instant simplement amical. Et il y a quelque chose la semaine prochaine qui va vous rendre triste hein, par rapport à cette personne. Et ça peut être le fait que vous êtes loin géographiquement. Vous vous sentez très loin de l'autre. Vous commencez à accrocher et voilà, vous vous rendez compte que la distance peut être peut-être un problème avec cette personne. Voilà, ça c'était le deuxième message. Sinon, on va regarder maintenant les couples. Eh bien, on a l'engagement, ça tombe bien, et la légèreté, bah, tous les couples vont bien parce que l'autre groupe, c'était un petit peu le même message. Bon, il y a de la stabilité dans votre relation. Voilà, il y a même peut-être des propositions de mariage, d'engagement, on fait des projets ensemble, on en discute. Il y a beaucoup de joie la semaine prochaine entre vous, une très belle entente avec la légèreté. On peut même voir qu'il y aura beaucoup de sensualité parce que moi quand je vois ça là, je veux dire, ça parle de sincérité déjà dans un premier temps dans votre relation, mais ça parle aussi pour moi avec le masque, je sais pas, il y a un jeu de séduction, il y a de la sensualité, je ressens de la sensualité dans cette carte. Donc pour moi la semaine prochaine tout baigne, tout roule, des projets dont vous allez parler ensemble, beaucoup de sincérité dans les échanges que vous aurez avec votre partenaire. Et puis aussi beaucoup de légèreté, de sensualité dans votre couple. Allez, enfin, les autres, on vous dit, oui, la situation est compliquée, mais vous pouvez avoir de l'espoir. Par contre, on a cette carte de jalousie qui ressort ici. On vous dit qu'il faut faire attention donc à la jalousie des autres extérieurs à votre relation. Votre propre jalousie ou la jalousie de votre partenaire, mais qu'en tout cas, la semaine prochaine, il y a un événement, quelque chose qui va vous donner un nouvel espoir par rapport à cette relation. On vous dit que de toute façon, que vous pouvez espérer, mais il y a peut-être ça à régler avant. On peut avoir des scènes de jalousie hein, la semaine prochaine aussi, hein. Concrètement, hein, des comportements jaloux, des scènes de jalousie. Voilà les amis, j'ai terminé les énergies pour la semaine donc du 31 janvier au 6 février 2022. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve bien sûr très vite hein, sur la chaîne. À bientôt!